et tu veux m'empêcher de toucher le bonheur. Allez, putain, là. Sly. Bon allez, on vous attend en direct. Vous débarquez ici d'ici minuit. Le clash de la drague, les méthodes, on les découvrira tout à l'heure. Vous avez des méthodes ou alors vous voulez qu'on vous en envoie? C'est les vacances. Envoyez des méthodes. Cédric n'a pas de méthode. Je veux bien envoyer, moi. Romano n'a pas de méthode. J'ai une méthode, mais c'est genre le lendemain du quoi, le surlendemain du 14 juillet, j'avais un feu. Tu me prends pour un con, ouais. Je vous conseille d'envoyer des méthodes. Romano@skyrock.com, c'est là que ça se passe, les bonnes méthodes. Les méthodes pétées, envoyez-les à Cédric. Non, envoyez des bonnes méthodes à Cédric@skyrock.com. Des méthodes pour draguer, vous pouvez les envoyer aussi sur le 41 Sky, le skyrock.fm. D'ailleurs, vous nous appelez au 01 53 40 30 20, puis vous pouvez nous laisser des messages tout au long de la soirée. Sur SMS, sur le net et avec les applis Skyrock. Appli Skyrock que vous pouvez télécharger, elles sont gratuites. Elle est gratuite, pas chère. Oui. Place à l'amour et place aux beaux gosses. Romano et Cédric sont là pour séduire la femme. Faire tomber les femmes, quoi. Dans toute la France, la femme et l'homme également, puisque vous pouvez séduire tout ce que vous allez avoir au téléphone. Tout ce qui bouge, moi, je suis chaud. Oh, déjà, moi, pour commencer, je vous annonce que je vous refais ma nouvelle chanson que j'ai fait vendredi pour ceux qui n'étaient pas là. Ouais. Ma nouvelle chanson, Raled, c'est la vie. C'est la vie, qui est devenue d'ailleurs. Votez Romano. Oui. Comme les autres, ouais. Comme tous les titres de Romano. En même temps, je vais pas dire votez Cédric, hein. De toute façon, au niveau des paroles, c'est un peu limité, j'ai envie de te dire. Alors, c'est de la propagande maintenant. Cédric Romano, vous êtes prêts? Vous avez vos méthodes? Ouais, moi je suis chaud, ouais. C'est quoi ta méthode, Cédric? Alors, moi je vais dire que je suis acteur de film porno. Et en fait, je veux répéter une scène que je dois faire demain, donc je cherche quelqu'un pour m'entraîner, quoi. Ouais, en gros, c'est des films zoophiles. Non, pas zoophile, non, je suis un homme. Alors, je vous explique la méthode de Cédric. Mm-hmm. La semaine dernière, j'étais sauveteur en mer, donc je voulais m'entraîner parce que j'allais faire la saison le lendemain. Cédric a changé de métier, mais c'est exactement la même méthode. Film porno, gros, ça n'a rien à voir. Tu vois très bien ce que je veux dire. Ça n'a aucun rapport, donc, mon pote. Cédric, acteur porno. T'es grave quand même. Qui veut répéter? Tu s'attribues toutes les méthodes maintenant. Et Romano. Qu'est-ce qu'il en est. Après, désolé. Le 14 juillet, tu l'as fait vendredi, je l'avais fait l'an dernier. Non, mais tu te rends compte, c'est grave quand même, t'as copié sur moi l'an dernier. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je vais faire. On va dans quel coin de la France là? Bon, un petit peu partout. On va dans le 08 à peu près. Bon, moi je vais dire que j'ai la kékette qui colle parce que j'ai chaud. D'accord. Oh, et je vais demander à la famille de. De toute façon, moi j'ai toujours la kékette qui colle même en hiver. Donc tu vas demander à la famille quoi. De la décoller et puis de s'amuser un peu avec quoi. C'est très gentil pour les familles comme je le rappelais au hasard. Et bien on y va pour le premier. Je remercie Laurent d'ailleurs qui m'a envoyé cette méthode. La méthode de la kékette qui colle. On n'a jamais eu celle-ci, tiens. Original. Bon, c'est parti pour toi, Cédric. Bruno. Premier coup de fil, ligne numéro 8. Et on appelle Bruno. Allez, vas-y. Le premier de la soirée. Attention, Cédric, bonne chance. Allô, Bruno. Allô. Ça va, tu vas bien? Ça va. Bon, nickel, dis-moi, c'est Michel au téléphone. Je suis acteur de film porno. X, quoi, si tu veux. Et tu vois, je dois répéter une scène pour demain soir. Et j'ai personne avec qui la répéter. Donc, je pense à toi ou à ta femme. Oh, c'est qui celui-là? Bah, c'est Michel l'acteur. Oh, je connais pas moi. Bah justement, tu vas faire connaissance, mon pote. Si tu veux, je pourrais te ramener 2-3 DVD de ce que j'ai déjà fait. Et puis bah après. Je vais raccrocher, moi, alors, c'est bon. Bah non, raccroche pas, je vais venir te voir. Bien ça. Ta femme, elle est là ou pas? Non, elle est pas là. Écoute, je vais m'occuper de toi, c'est pas grave. Ah, c'est bon. Ça tombe bien, ça se passe avec un homme. Ouais, je m'en vais. C'est bon. Salut, j'arrive tout de suite. Raccroche. Ne t'en va pas, mon chéri, n'aie pas peur. Il a eu peur. Bon. Je ne vais pas te faire mal, tu sais, je vais y aller en douceur. Allô? Je raccroche. Bah raccroche pas. 1, 2, 3. Allô, Bruno? Soleil, nous irons au bois. Bon, je viens chez toi dans 5 minutes, d'accord? Oui. Bon, prépare tes petites fesses, je vais m'occuper de toi, d'accord? Oui, c'est ok. Tu veux écouter ce que j'ai déjà fait avec tes femmes? Non, c'est bon. Attends, je vais te faire écouter ce que je fais aux femmes. Vas-y. Oh, yeah! T'entends un peu? Ça, c'est ma doublure, ça. Oh, je raccroche, c'est bon. Bon, bah, j'arrive, hein, d'accord? Ouais, j'arrive, écouté. Oui. Ah, j'arrive, bah c'est moi qui arrive, d'accord? Oui. À tout de suite. À tout de suite. Bon, il m'attend. Ah, bah bien sûr. Tout le monde a entendu. Il a envie en plus, hein. Attends, le mec n'en pouvait plus. Ça, hein. C'est... Le mec disait toutes les 10 secondes, je raccroche. Non, mais à la fin, il me disait viens. Mais t'as vu, c'est mignon, il fait un petit compte à rebours avant de raccrocher. 1, 2, 3. Ouais, c'est. Soleil. Et voilà. C'est drôle. Romano, à toi. Allô? Qui c'est? Allô? José! Oui, salut, connard, ça va? Ah, et toi, comment ça va, saloperie? Sale con! Alors, pourquoi tu m'appelles à ce moment-là, connard? Bah, parce que j'ai la quéquette qui colle et je voulais que ta femme me la décolle. Mais c'est ça, que tu m'as tapé sur une valise, espèce de connard. Bah, tu peux venir te voir ce soir, là. Reculé, connard. Je viens. C'était rapide, il veut t'enculer. Il veut t'enculer. A priori, lui, je sais pas. Il était très énervé. Ah, il était chaud, lui. C'était au taquet, ouais. Lui, il doit avoir des gens qui l'appellent régulièrement pour lui faire des trucs au téléphone. Je sais pas qui, mais bon. On passe au deuxième tour pour Cédric. Allez, bon, c'était du vite fait là. Ouais.
Ouais, qu'en même temps, il était dans un état, le mec. Tu vite fait pour arriver à peu près au même résultat que toi. Ah bah là, on a fait la même. Non. Sauf qu'on a moins perdu de temps. C'est pas mal, Robado. Ouais, puis moi, c'était mieux, il m'a insulté, quoi. Ouais. Allô, Marc. Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Oui, c'est qui? Bah, c'est Michel. T'es tout seul à la maison, là, ou pas? Hein? T'es tout seul ou t'es avec ta femme? Je suis avec ma femme, pourquoi? Bon, bah très bien, nickel. Bah parce qu'en fait, je voulais passer à la maison pour venir la voir. Parce que là, j'ai une scène à répéter là pour demain pour un film X. Et j'ai pas de partenaire pour m'entraîner. D'accord, ouais. Bon, je peux venir dans 5 minutes ou pas? Allez, salut. Bah, j'arrive ou pas? Oh, putain. Voilà, comme tu le dis. Là aussi, c'était du rapide, hein. Ouais, c'était rapide. Bah, enfin, t'as raconte pas trop, gros. Rapide, à 8 tables, là. On va laisser attends, poser. On va voir. Bon, deuxième tour pour Romano maintenant. Attention, c'est parti. C'est bien, t'as suivi les conseils de rapidité. Bah, ouais, t'inquiète. Moins d'insultes que Romano quand même. Ouais. Ah, parce que moi j'ai eu droit. Moi j'ai pas trop de faire insulter, tu sais. Allô, Bernard, le titre dit bonjour. C'est qui là? Gérard. J'aimerais bien qu'on me donne le prénom avant parce que déjà sur mon appel. Gérard. Oh, le clasheur proteste. Non, mais c'est vrai qu'on me l'a vraiment donné au dernier recours. Hein. Gérard. 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 Ouais, ça c'est la femme à Gérard. Oui, c'est qui? Oui, c'est Jean-Louis l'appareil. Et là, GG? Ouais, il est là. Tu me le passes s'il te plaît? Ouais, je te le passe. Merci. Allô? Ouais, Gérard, comment vas-tu? Ouais, c'est qui, là? C'est Jean-Louis, un copain de ta femme. Dis voir, en fait, là, je sais pas ce que j'ai ce soir, j'ai chaud, j'ai la quéquette qui colle. J'aurais bien demandé à ta femme de me la décoller, je peux passer la voir, vite fait? Bah, écoute, je vais te la passer, tu lui dis toi-même. Non, mais bon, ça te dérange pas que je vienne? Allez, vas-y, je te la passe. Ah, bah, passe-moi la chérie. Allô? Ouais, allô, chérie. C'est qui? C'est Jean-Louis, là. Bon, bah, ton mari est ok, hein, tu vas me décoller la quéquette et après, je te fais l'amour ce soir, hein. Ouais, ben moi je t'emmerde. Bah oui, mais si alors tu veux. Alors viens me dire en face ou je te défonce la gueule. Ah bah je vais venir et puis moi je vais m'occuper de ton petit corps sexy. Voilà. Ah ok. Allez, salut connard. Bah j'arrive. Encore. Hein. À tout de suite. Tu nous aurais caché ton nom de famille, Romano. Non mais bah si parce que le premier dit, bah, bah, coupé, gros. Le premier t'a appelé connard, la deuxième t'a appelé connard aussi. Serait-ce ton nom de famille Romano non, connard? Mais non, c'est Jean-Louis. Jean-Louis David. Ah bah bon, je croyais que c'était Jean-Louis connard moi. Non mais en tout cas, j'ai une invitation moi. Première invitation de la semaine. Hein bah attends, t'as si t'as tapé là sur la gueule gros. Bah ouais, mais bon, je suis quand même invité à venir. Faire casser la gueule. Bah toi t'es invité à quoi toi? Moi aussi je dis je viens, bah dis ouais. OK ouais. C'est le premier appel. Ah, je suis comme toi. Est-ce qu'on arrête là? Ah mais t'es grave. Non, enfin l'autre tour allez. Tu veux un autre tour? Oh bah oui, attends. Romano, t'es d'accord pour un autre tour? Vas-y, un autre tour. T'es lancé, ça y est. Envoyez. Envoyez. Ils sont chauds. Envoyez. Hein? Envoyez. On envoie les familles. Envoyez, ouais. Un blocage encore, tu sais. Cédric, à toi. Vas-y, bah oui, je sais que c'est à moi. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Monsieur qui? Bonsoir. Pascal? Oui. Comment vas-tu? Ça va. Bon, bah nickel. Dis-moi, je voulais passer voir ce soir, je peux venir ou pas? Tu veux passer voir quoi? Bah justement, je voulais venir avec eux là parce que j'ai une scène à réviser là pour demain. Ouais. Et une scène pour un film X là pour un casting. Et puis bah je voulais venir répéter ça avec toi ou avec ta femme. Ah d'accord. Bon c'est vite fait, hein, c'est un truc qui va durer 10-20 minutes. Seconde. Non mais ça va aller, ce soir c'est bon. Bon bah je vais venir voir ta femme alors dans ce cas là si toi t'es fatigué. Non mais... Parce qu'elle m'a envoyé un texto tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle était chaude pour que je passe la voir. Ah d'accord. Donc je vais venir la voir directement. Bah écoute, je pense pas, non. À la limite, ce que tu fais, c'est que toi, tu restes devant la télé, là. Je vois que t'es là en train de regarder un truc passionnant, là. Donc, je vais te laisser devant la télé, puis moi, je m'occuperai de ta femme dans la chambre. Ouais, si tu veux. Hein? Ouais. Pas de soucis? Ok. Bon, bah, j'arrive tout de suite, mon chéri. Allez. Dis Lucas, prépare, hein. Ouais, bisous. Bisous, mon chéri, à tout de suite. Bisous quand même. Ah quand même. Bisous, je viens tout de suite. Petit à petit, ça s'améliore. Ah, gros, j'arrive. On est parti de tellement bas. Oui, c'est vrai qu'on est parti. Tu peux le dire. Bah là, il y a le mec quand même. Attends. Troisième coup de fil. Je m'occupe de sa femme. Cédric est en progrès. Et je m'occupe de sa femme. On nous dit Romano, à toi. C'est qui? Troisième coup de fil. Bruno. C'est Bruno. T'as ton souvenir? Oh ben. J'espère. Allô Bruno. Oui. Oui. Comment ça va là-dedans? Mais qui c'est? C'est Jean-Louis à l'appareil. Un ami de ta femme. Elle est là ou pas ce soir? Non, elle est pas là ce soir. Ah merde, parce qu'en fait je t'explique, j'ai un petit souci là, j'ai la quéquette qui colle. Ah. Et en fait j'aurais bien aimé qu'elle me décolle un peu le matos quoi. Allô? Ah merde, putain de merde. Putain. C'est alors ma gueule détendu tout ça mais. Je crois qu'il en avait rien à foutre là. Et attention, l'arbitre se concentre et décide. C'est moi l'arbitre, hein. Ouais. Oui, bah alors. Et là, on attend. Oh, mais qu'il est beau là. Oh, qu'il c'est est moi l'arbitre. Beau, l'arbitre. Oh, qu'il est beau l'arbitre quand il se concentre. Et oui, je me concentre et je donne une dernière chance, l'ultime chance aux deux clasheurs de la drague. Mais que tu es bon. L'arbitre est très bon et très beau également, comme vous le disiez. Eh oui. Oh, il est beau. Dernière chance pour Cédric et Romano. Cédric. Ah, c'est quoi là, ces messes basses là? Bah rien. Jean-Pierre. Pourquoi tu dis qu'il y a des messes basses? Il parlait tout seul. T'es malade toi? Il est Ah, il disait faut que je sers. Pas quand il me parle.
Vas-y, Cédric. Espèce de colla. Allô. Allô. Ouais, Jean-Pierre. Oui. Bonsoir, comment vas-tu, mon petit loup? Oui, c'est qui à l'appareil? Bah, c'est Michel au téléphone. Michel, je connais pas Michel. T'es tout seul à la maison, là? Non, je suis pas tout seul. T'es avec ta femme? Oui. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Dis-moi, oui. Je t'appelle là parce que je devais réviser, tu sais, une scène là. Je vais répéter une scène pour demain soir là. J'ai un casting pour un film X. Pour un casting pour un film X. Et en fait, j'ai pas de partenaire pour réviser ma scène là. Donc, je voulais faire ça avec ta femme. Oui, d'accord. On va voir ça avec les gendarmes, hein. Ah, bah, écoute, ils pourront être de la partie si tu veux. Mais ta femme, apparemment, m'a envoyé un texto tout à l'heure. Elle était d'accord, quoi. D'accord. Donc, tu lui dis que j'arrive? Oui. Bon, bah, tu m'attends. Les gendarmes sont prévenus également, hein. Ah, bah, écoute, plus on est de fous, plus on rit, tu sais. Tout à fait. Ok. Bah, tu viens participer? Oui, tout à fait, à bientôt. Bon, bah, écoute, j'arrive. Prépare tes petites fesses alors, hein, d'accord? Oui, voilà, on y va. À tout de suite, j'arrive. À tout de suite. Merci. Voilà. Pourquoi il te parle comme un débile, le monsieur? Non, je sais pas, parce qu'il est comme et ça. Il a les queues faux au cul, en plus. Non, mais quand il décroche, le mec, il est comme ça. Le mec, c'est son style, quoi. Le mec, Cédric va se En attendant, le mec, je m'occupe de sa femme. Il y a plein de problèmes. Et le mec, ramène la police. Plus on est de fous, plus on rit, moi. Attention, dernier coup de fil pour Romano, après on vote. Allô? Joanne. Oui. Ouais, bonsoir, ça va? Oui. Tu m'as pas reconnu? Non. Non, c'est Jean-Louis, l'appareil. Jean-Louis, un copain de ta femme, elle est là ce soir ou pas? Attends, tu parles de qui là? Bah, je parle de ta femme, t'as une femme toi? Ouais. Parce qu'en fait, je t'explique là, j'ai la quéquette qui colle, et j'aurais bien aimé venir la voir pour qu'elle m'aide à décoller tout ça là. Ouais. Donc je voulais savoir si je pouvais passer à la maison dans 5 minutes. Ouais, bah pas de problème, viens. À vrai dire, j'avais pas prévu que tu sois là, mais bon, ça va pas. Ça va pas. Je vais décoller la tête, moi. Hein? Comme ça, je te décollerai la tête, non? Bah, moi, je te décollerai le cul, comme ça. Ouais. Bon, bah, écoute, ce que je fais, c'est que je me pointe dans 5 minutes, là. Ok, ouais. Et puis, bon, je m'occupe un peu de ta femme, et puis après, on s'occupera de nous tous les deux, là. D'accord. Ok, bah, je te dis à tout de suite, mon yo-yo. Ouais, à pas tout de suite. À tout de suite, ma puce. Bisous. Voilà. Bim. Et ça. T'as rien fait, gros. Non, j'ai rien fait, je suis juste invité, le mec. Alors, on y va pour les déclarations, pas mal. Écoutez. Pas mal, moi je suis content de mon dernier coup de fil. On a fait de rafales de coups de fil, on a fait 8 en 5 minutes. Là. Ah ouais. Alors, Cédric, c'est à toi de faire tes déclarations. T'as une musique? Ouais, bah ma musique. Ta musique. Le classique, on ne change pas une équipe. Allez, vas-y. Allez. Bon, la famille, ce soir, je compte sur vous tous et vous toutes pour voter Cédric. Moi, tranquille, je gère. Enfin, Pascal, tout à l'heure, n'était pas trop chaud pour que je m'occupe de lui. Bah, oui. Mais par contre, de sa femme, il n'y avait pas de souci. Le mec, je vais gérer sa femme. Et ensuite, la dernière famille, j'appelle la famille, je m'occupe de la femme. Et en plus de ça, il invite des potes à lui, des flics, enfin, la gendarmerie, ouais, carrément. Bah, ouais. La gendarmerie nationale est contribuée à venir répéter la scène X avec moi. Contribue à la répétition. Cédric, Lounès le lover du 75. T'as un pur mytho, Cédric. Bon, je crois que c'est comme ça, vas-y. Ah, vas-y. Alors, vas-y, c'est bon, c'est bon la déclaration. Alors, moi, je vous offre un hymne. Oui. Le nouvel hymne. Oui. D'ailleurs, tiens, Flavien, vu que t'es un peu couillon, tu viens chanter. Ouais. Le Didi, ouais, en plus. Mais je chante avec toi. Alors, je vous interprète ma nouvelle chanson, mon nouvel hymne. Ça s'appelle Il faut voter, votez Romano. On va le baiser, il faut voter Romano. La 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 la. Il faut voter Romano. La 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 la. On va le piner, il faut voter Romano. La 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 la. Il faut voter, il faut voter Romano, la 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 la. Qu'est-ce que tu as déclaré? Eh bien, ce soir, moi, j'ai à déclarer. On va pas parler de 50 coups de fil. Bim, le dernier. Moi, je suis invité à faire l'amour à l'homme, à la femme. La femme va me décoller les bourses. Et pour la remercier, je vais lui faire l'amour. Et après, je vais m'occuper des fesses du monsieur. Sans aucun problème. Et sur un autre appel, je m'étais fait inviter. Et sur le premier, je me fais insulter. C'est la fête, c'est la folie. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. Top vote. Vous votez 22h24 et 30 secondes. Eh ben, vous votez jusqu'à 22h29 et 30 secondes, 5 minutes pour décider de qui sera le meilleur, Cédric ou Romano. Ouais. Eh bien, bonne chance à tous les deux.
Eh ouais, ouais, rinté. Allez, c'est parti. Vous votez SMS, le net, et puis on verra qui est le meilleur dans un instant. Ouh, je vois que ça vote. Je vote Cédric, vert de verre, nous dit sur SMS. Ah, merci, vert de verre. Romano de Charles, 71. La Bourgogne avec Romano. Nino merci, pour Romano. Play-in pour Cédric. Vinces, 49. Le 49 avec Romano. Super Gizmo, Romano. Tom, 36, Romano. Trop bien le nouveau chant de Romano pour Zboob. Romano pour Weasley. Je vote Cédric pour Luda. Cédric. Ah, merci, Luda. Je vote Cédric, la tepu pour Seb du 64. Aïe. Salut, Seb du 64. Ah, c'est gentil, aïe. Aïe. Bon, voyez les messages défilent. Votez Romano, faut rien lâcher les amours. Allez, vote Cédric, la famille. Héroïne, gagnon. Allez, gnognote. On gnognote sur le 41, 759. Oh, gagnon. Et le skyrock.fm. Bon, pour la suite, c'est donc les résultats du clash que j'ai là et que je vais vous donner en exclusivité sur Skyrock. Alors, vas-y, annonce. Rien que pour vous ce soir, je vous annonce que Cédric, avec sa méthode du film porno. Ouais. L'acteur en répétition, quoi. A réussi ce soir. Oh non, putain, ah. Et oui, contre Romano, avec sa méthode du zizi collé. Ouais. C'est important, j'ai serré au dernier appel, il n'y avait pas à chier, il y avait un serrage complet. Eh bien, ce soir, Cédric a réussi l'exploit de faire 42% contre 58% pour Romano. Victoire donc ce soir, officiellement, je vous l'annonce, de Romano dans le clash de la drague. Bravo Romano. Merci, merci mes amours. Putain, mais tous les lundis j'ai gagné. Non mais là c'est fini, tu vois. Ah, fait chier. Toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, merci, on a rompu la malédiction du lundi grâce à vous tous mes amours. Parce que tu sais, je le voyais le lundi, il était mal. Vous êtes des champions. Eh ben, tu vois, non, ce soir c'est toi qui es mal. Et voilà. Eh ben, merci mes amours, ça fait bien plaisir. Rendez-vous mercredi pour le prochain clash. Ça y est, on est reparti et tous ensemble, on ira loin, très très loin. I love you. Oh, quelle belle déclaration d'amour. Une des plus grandes fans, Cédric. Matoucha dit, Cédric, reprends-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Mais Matoucha, t'inquiète pas, prochain clash. Ah non, mais il est revenu à son niveau de base. Hein. Non, à un moment donné, lundi dernier, je gagnais, mercredi dernier, je gagnais, tranquille quoi. Bah, et vendredi? Vendredi, j'ai fait une petite faute. Et ce soir? Et ce soir, bah, j'ai merdé aussi hier. Et hier? Bah, ta gueule, hier, c'est le collector. Ouais, mais t'as perdu. Ouais, c'est bon, victoire de Romano. Moi, j'espère que le prochain clash, je vais le baiser. On en fait un quand tu veux, mon pote, demain. Bah, déjà, mercredi, c'est sûr. Ouais, bah, même si tu veux, on en fait un demain, même. On verra. Peut-être, Cédric, pourquoi pas. Moi, je suis chaud tous les soirs, mon pote. J'ai pas envie. Bah, moi, j'ai envie, tiens. Romano, il est content, il a sa coupe et il va poser pour Momo. Il sera bientôt sur le blog. Il en a la chance. Sur lesifoot.fr.com. Et oui. Bon, bah, merci pour ce beau clash. C'était pas mal ce soir. C'était même marrant, en tout cas. Ouais. Prochain clash, bientôt. Et séduction, je vais écouter les annonces de Pamela. Séduction toujours sur Skyrock avant minuit. Pamela tentera de séduire nos pervers sur le net. Oui. Elle est déjà là. Elle vient d'arriver dans le studio, plus belle que jamais. Ça pue là. Ah, c'est Bobo, il est à côté de toi. Bon, non, j'ai reconnu ton odeur. À tout de suite, Pamela. Allez, à tout de suite.